Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici les titres de ce mardi 21 mai. Le monde économique et le personnel politique s'étaient mobilisés pour s'opposer à la Cour des comptes qui suggérait une réforme profonde, voire une suppression de l'octroi de mer. Le service de presse des armées en Martinique s'efforce à chaque fois que cela est possible de mettre en avant l'efficacité des forces armées aux Antilles dans la lutte contre le trafic de drogue. La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a appelé à préserver le peu qu'il reste de l'économie de cet archipel, alors qu'une semaine d'émeute a provoqué des dégâts parfois irrémédiables pour les entreprises. Le gouvernement a durci les règles d'utilisation du compte personnel de formation ou CPF pour le financement des permis de conduire. Dans votre avis compte cette semaine, d'une façon générale, jetez-vous un regard positif sur la jeunesse martiniquaise. Et enfin, le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, pour les femmes diagnostiquées avec un cancer du sein de stade 1 à 3, le risque de rechute a été divisé par 2 en moyenne entre 1980 et 2000. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air en Martinique est bonne. Il en sera de même demain. Ce matin, mardi 21 mai, 3 lignes d'autobus du nord de la Martinique sont à l'arrêt. Saint-Pierre-Fort-de-France, Saint-Pierre-Lorrain et Fort-de-France-Morne-Rouge. Les chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait à cause des fréquentes agressions dont ils sont victimes. Samedi, l'un d'entre eux aurait été menacé par un homme armé d'un coutelas. Selon eux, la direction de leur entreprise ne prend aucune disposition pour régler ce problème qui a déjà été signalé à maintes reprises. Le 18 mai, samedi soir, vers 23 h, une jeune fille de 19 ans, passagère d'une moto, a été percutée à l'arrière par une voiture. La jeune fille est décédée sur le coup. Le conducteur de la moto a été blessé aux jambes. Ce décès a porté à 9 le nombre de personnes tuées sur nos routes depuis le début de l'année. 7 d'entre elles étaient à moto. On en a beaucoup entendu parler, puis plus rien, tant le monde économique que le personnel politique s'étaient mobilisés pour s'opposer à la Cour des comptes qui suggérait une réforme profonde, voire une suppression de l'octroi de mer. Serge Latchimi avait notamment déclaré ceci : la collectivité territoriale de Martinique ne saurait admettre aucune recommandation de la Cour des comptes qui participerait à limiter l'autonomie fiscale et décisionnelle des régions ainsi que leurs ressources financières. De son côté, Charles Larcher, le président de la MPI Martinique, avait parlé d'une réforme impossible car, avait-il dit, les objectifs de la technostructure de l'État et ceux des politiques sont divergents et même incompatibles. Il convient donc de savoir que le Parlement européen a voté le mardi 18 mai la prolongation de l'octroi de mer jusqu'au 31 décembre 2027. 685 députés européens ont voté pour, 5 contre et 5 abstentions. Hier lundi, vers 4h du matin, un accident s'est produit au niveau de l'échangeur d'Acajou au Lamentin, dans le sens Fort-de-France-Lamentin, entre une moto et une voiture. Le conducteur de la moto et son passager ne portaient pas de casque. Grièvement blessés, ils ont été transportés par les pompiers au CHU. Leur pronostic vital est engagé. Il semble que leur moto se soit encastrée à l'arrière du véhicule, dont la conductrice est indemne.
L'offre de vaccins destinés aux personnes âgées augmente, mais cette population se montre encore réticente à se protéger. Il y a quelques années, les vaccins s'adressaient principalement aux enfants, car c'était là qu'étaient la plupart des besoins non couverts. Désormais, même si les laboratoires continuent à améliorer les vaccins pédiatriques, la majorité des vaccins en développement sont destinés à l'adulte, car c'est là qu'un nouveau besoin a désormais été identifié. La pandémie de COVID-19, notamment, a sensibilisé les populations à la vulnérabilité des personnes âgées. La réponse immunitaire diminue avec l'âge, si bien que les seniors sont plus sensibles aux infections. Et lorsqu'ils en contractent, les conséquences sont aussi plus sévères. Ainsi, l'insuffisance des couvertures vaccinales des personnes âgées de plus de 65 ans vis-à-vis de maladies infectieuses parmi les plus sévères pour cette tranche d'âge, comme la grippe, le Covid-19 et le zona, crée un fardeau médical et économique de plus en plus lourd dans une population qui vieillit, selon l'Académie nationale de médecine. Aujourd'hui, la couverture vaccinale des personnes âgées reste trop faible. Les laboratoires développent activement des vaccins adaptés aux besoins de ces personnes, anticipant une augmentation de la demande liée au vieillissement de la population. Mais la réticence à la vaccination reste un défi majeur. Les laboratoires cherchent à inverser cette tendance en proposant des vaccins combinés et en simplifiant les protocoles de vaccination. L'escrimeuse guadeloupéenne Isaura Tibus pourra finalement participer aux Jeux Olympiques. Le tribunal disciplinaire antidopage de la Fédération internationale d'escrime n'a prononcé contre elle aucune sanction. Pourtant, elle avait été contrôlée positive à l'ostarine, un produit anabolisant. Elle avait affirmé qu'elle avait été contaminée, si on peut dire, par son compagnon, par fluide corporel. Le service de presse des armées en Martinique s'efforce, à chaque fois que cela est possible, de mettre en avant l'efficacité des forces armées aux Antilles dans la lutte contre le trafic de drogue. Notamment à l'occasion des saisies de drogue que cette dernière effectue. Il s'agit parfois, il est vrai, de quantités importantes. Mais il convient de rappeler à ce sujet qu'un certain nombre de maires de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe entendus par une commission d'enquête sénatoriale il y a plusieurs mois, ont tous expliqué que les efforts consentis par l'État n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu. Devant cette même commission d'enquête, la patronne de l'Office anti-stupéfiant, OFAST, avait déclaré, citons-la, « la menace se situe à un niveau historiquement élevé ». Elle avait alors souligné la position stratégique qu'occupent les territoires ultramarins pour les trafiquants, la Guyane, à cause de sa proximité avec les zones de production, Colombie, Pérou, Bolivie, en ce qui concerne la cocaïne, et les Antilles, parce qu'elles constituent des zones de rebond. 48 maires de grandes villes avaient en outre fait observer que le narcotrafic touche également désormais les villes moyennes et même les petites villes, et que le degré de violence a considérablement augmenté en même temps que l'implication des mineurs. Selon eux, les territoires d'outre-mer sont devenus des plateformes d'acheminement de la drogue vers l'Europe. C'est en 1992 que l'hospice Emma Ventura est rebaptisé Centre Emma Ventura. Il comporte 393 lits répartis de la façon suivante. 275 lits d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. 90 lits d'unités de soins de longue durée, USLD, dont 8 lits identifiés soins palliatifs. Des consultations de spécialistes sont organisées chaque semaine à l'intention des résidents de l'établissement. Un appel au calme pour sauver ce qui peut encore l'être. La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a appelé à préserver le peu qu'il reste de l'économie de cet archipel, alors qu'une semaine d'émeutes a provoqué des dégâts parfois irrémédiables pour les entreprises. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, a lancé un appel au calme
pour préserver l'économie de l'archipel, gravement affectée par une semaine d'émeutes. Les dommages économiques et sociaux sont considérables, avec une estimation initiale des dégâts à 200 millions d'euros. Plus de 150 entreprises ont été pillées et incendiées, laissant plus de 1000 employés sans travail. La zone industrielle de Ducos, cruciale pour l'économie locale, est particulièrement touchée. La CCI insiste sur la nécessité de sécuriser cette zone pour éviter une dépendance accrue aux importations. L'économie de la Nouvelle-Calédonie, territoire français, depuis 1853, est fortement dépendante des exportations de nickel, dont l'archipel détient 20 à 30% des ressources mondiales. Elle dépend également des subventions de l'État. Tous les services d'urgence de la Martinique sont actuellement débordés, tant à l'hôpital Pierre Zobda Kitman qu'à l'hôpital de Trinité. Le CHUM a créé une cellule de crise dans le cadre du plan hôpital en tension. Et puis demain, mercredi, la Martinique commémore le 22 mai 1848. De nombreuses manifestations sont programmées sur toute l'île. On peut noter la manifestation intitulée « La 7e Cagloriée 22 mai, place de la Savane de 9h à 12h à Fort-de-France » ou encore « À Saint-Pierre à 17h, place René-Brambant ». À Sainte-Anne, le rendez-vous est à 7h pour l'opération « 1000 tambours ». Matinique, Calévé et puis son tambour. Le gouvernement a durci les règles d'utilisation du compte personnel de formation ou CPF pour le financement des permis de conduire. Désormais, seul le premier permis de conduire d'une personne sera éligible au CPF, le compte personnel de formation. Cela signifie que les Français qui possèdent déjà un permis de voiture ne pourront plus utiliser leur CPF pour financer un permis moto et vice-versa. Le décret publié au Journal officiel est en vigueur depuis le 19 mai. Du côté de l'exécutif, même si on ne le dit pas explicitement, ce décret vise à freiner l'engouement exceptionnel pour le permis moto, devenu en 2024 la deuxième formation la plus demandée via le CPF derrière le permis voiture. Cette décision cache aussi des raisons budgétaires. Selon une estimation du ministère du Travail, si rien n'était fait, le permis moto aurait fini par coûter à l'État 300 millions d'euros, soit plus que ce que devrait rapporter le reste à charge de 100 euros pour bénéficier d'une formation via le compte personnel de formation. Entré en vigueur le 2 mai, il pourrait permettre d'économiser 200 millions d'euros, selon le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave. Après avoir commémoré le 22 mai, les lycéens devront à nouveau rapidement se plonger dans leurs livres, car les épreuves orales de français ont été avancées. Elles se dérouleront du 6 au 13 juin au sein de l'Académie de Martinique et non entre le 24 juin et le 5 juillet, créneau retenu au niveau national. Lundi, l'Iran a décrété un deuil de 5 jours après la mort de son président Ebrahim Raisi, 63 ans, dans le crash de son hélicoptère. Hommage est rendu aux 8 victimes de l'accident, considérées comme des martyrs. Ce mardi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour le début des cérémonies de funérailles à Tabriz, en Azerbaïdjan oriental, où le président iranien est décédé. Et c'est l'heure de votre avis compte. Vous répondez à cette question cette semaine. D'une façon générale, jetez-vous un regard positif sur la jeunesse martiniquaise. Nous vous écoutons. D'une façon générale, jetez-vous un regard positif sur la jeunesse martiniquaise? Alors, pour moi, oui, je pense que la jeunesse martiniquaise a un avenir positif, puisqu'on essaye justement de changer, on essaye d'apporter quelque chose de différent. Moi, depuis que je suis petit, j'entends que les jeunes ont envie d'apporter quelque chose de différent, en tout cas partir là-bas pour chercher quelque chose d'innovant et ramener chez nous. Donc, déjà, à ce niveau-là, je pense que les jeunes sont motivés justement
faire évoluer la Martinique dans un bon sens. On n'a pas envie de reprendre les erreurs de nos aînés. On a envie d'évoluer. Donc, moi, je pense que ouais, on a un bel avenir. Après, bon, l'avenir est difficile comme dans le monde. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner. Ah oui, j'ai été enseignante, j'ai vu des enfants, donc faut pas mélanger tout. Hein. On a des enfants extraordinaires qui font des études, qui font des choses, qui créent des entreprises. Moi, je crois. Si on ne croit pas à notre jeunesse, qu'est-ce qu'on fait là? D'accord. Oui, je crois qu'il faut, comme elle dit, il faut pas mélanger. Il y a des jeunes, bon, qui n'ont peut-être pas eu la force d'avoir, la chance d'avoir une éducation qui leur permette de faire les choses autrement. Mais il faut pas mélanger, il faut pas nier la jeunesse, une jeunesse. Ça aurait été plus facile de dire. Parce que celle qui réussit, c'est la jeunesse qui réussit. Il y a des prix, on va des prix, la télé passe dessus comme une goutte d'eau. Ne fais pas un truc de A à Z. Voir comment les enfants ont gagné des prix ici, prix ceci. Donc il faut que les médias s'y mettent aussi. D'une façon générale, jetez-vous un regard positif sur la jeunesse martiniquaise? Oui, comme tout le monde, par curiosité. Pour savoir ce qu'il y a à dire ou pas, puisque des fois on en discute et puis bon, ben, des fois ou pas au courant, donc ou pas qu'arriver ben, un avis favorable, puisque ou pas jamais t'en aille. Donc obligé suivre de temps en temps, puisque ça nous met au parfum par rapport à la chaîne, parce que la devise de la chaîne c'est KMT, c'est éduquer le peuple martiniquais, mais éduquer comment? Faut demander ça, monsieur, au responsable. Donc, t'as un œil positif sur la jeunesse? Oui, oui, puisque c'est eux l'avenir. Parce que moi, c'est Alain Macal. Donc, la positivité, enfin bref, c'est de savoir ce qui se passe avec la jeunesse. Parce que c'est surtout eux, pour eux faire très attention, parce qu'il y a l'eau bagaille qui a fait. Yo ka di an lè yo ke se yo ki fey. Uh-huh. Nou pa pi sav ki moun ka fey, piske nan nuit le chason gri. Donc, à ce niveau-là surtout. Oui, la jeunesse martiniquaise et toutes les jeunesses. Toutes les jeunesses, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est... Et donc, tous les humains ont des choses à apporter, que ce soit jeune ou moins jeune. Alors, je dirais que ça dépend. Parce qu'il y en a ceux qui adoptent ce qui vient de l'extérieur. D'une manière générale, nous devons suivre ce que nos aînés nous ont transmis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ils absorbent ce qui vient de l'extérieur par rapport aux médias, tout ça. Je ne suis pas toujours à la télé, à des clips, tout ça. Et les jeunes se réfèrent par rapport à ça. Et ce n'est pas trop beau. Ils parlent de violence. Je ne suis pas sûr qu'on est à l'origine, violence, homophobie, tout ce qu'il en est. D'une façon générale, jetez-vous un regard positif sur la jeunesse martiniquaise. Notre question dans votre avis compte. Un grand merci à ceux et celles qui y ont répondu. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché, Macron en Nouvelle-Calédonie. C'est très curieux. Les journalistes français qui rendent compte de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie parlent toujours d'émeutes, de couvre-feu, d'arrivées de soldats, de gendarmes ou de gardes mobiles, de fermeture d'aéroports. Mais le mot qu'ils prononcent le plus rarement, c'est « guerre civile ». En réalité, nous sommes de nouveau en 1854, lorsque la France s'installait en Nouvelle-Calédonie, volant leurs terres aux populations qui s'y trouvaient déjà, pour y installer un nouveau bagne, comme en Guyane. Aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle installation, tout simplement. Et c'est dans ce cadre-là qu'un piège a été tendu aux Kanaks. Le gouvernement savait, les renseignements généraux, ça existe, et ça renseigne le gouvernement. Le gouvernement savait donc que s'il faisait voter le dégel du corps électoral, violant ainsi délibérément les accords de Matignon et de Nouméa, la réponse des Néo-Calédoniens serait violente. Et c'est exactement ce qu'il attendait, ce qu'il espérait le gouvernement.
Il avait désormais une raison d'importer massivement des forces armées de toutes sortes sur ce territoire. Policiers, gendarmes, soldats, raids, GIGN, rien ne manque. Quant aux Caldoches, désormais plus nombreux que les Kanaks, puissamment armés, des touristes bloqués en Nouvelle-Calédonie et qui les ont vus en témoignent, ils sont prêts, ils sont même désireux d'en découdre avec eux. On sait l'origine de ces Caldoches. Ils sont issus de ce torrent de boue que la France a déversé sur ce pays au début de sa colonisation. Le mot « torrent de boue » est du gouvernement français lui-même. Nous sommes donc, comme en 1853 et 1854, dans une nouvelle colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Elle prend donc cette fois la forme d'une guerre d'un autre type, mais dont l'issue ne fait évidemment pas de doute, comme en 1853, avec une marginalisation encore plus radicale des Kanaks et forcément encore une baisse de leur nombre. Et tant pis pour la France, patrie des droits de l'homme. Mais voilà que des voix de plus en plus nombreuses, et notamment celles des élus majeurs des autres Outre-mer, se font entendre pour condamner la stratégie mise en place par le gouvernement. Et, de plus, malgré la guerre en Ukraine et à Gaza, l'opinion internationale s'intéresse à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Certains journaux rappellent que l'ONU considère la Nouvelle-Calédonie comme un territoire autonome à décoloniser. Les choses sont donc un peu plus compliquées en 2024 qu'en 1864. C'est dans ce contexte que le président de la République a décidé d'aller lui-même en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il va y faire, mais on sait que la seule question à laquelle une réponse est attendue est la suivante. Aux prochaines élections qui vont déterminer la gouvernance de la Nouvelle-Calédonie et à terme son statut, les Français de l'Hexagone installés dans ce pays depuis moins de 10 ans pourront-ils, oui ou non, voter? Le gouvernement français veut qu'ils le puissent, les Kanaks veulent qu'ils ne le puissent pas. Que va décider le président de la République? Telle est la seule question qui vaille, telle est la seule réponse attendue. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, pour terminer ce journal, la rubrique santé. Il faut environ 3 kg de crème contenant en moyenne 30% de matière grasse pour fabriquer 1 kg de beurre qui en renferme obligatoirement 82%. 90% des beurres sont fabriqués industriellement selon un procédé appelé NISO. La crème pasteurisée est mise à maturer puis barattée, c'est-à-dire frénétiquement agitée dans une grande machine. Les globules de matière grasse se dissocient tandis que l'eau, le petit lait, est évacuée. Ils sont malaxés et au cours de ce malaxage, on introduit des ferments qui donnent son arôme au beurre. Quant à la crème, sachons que dans 100 g de crème fraîche, il y a environ 22 g d'acide gras saturé et pour le beurre, c'est 55 g. Mais tous ces acides gras saturés ne sont pas méchants. Il y en a même qui sont nécessaires à certaines fonctions de notre organisme et tous fournissent de l'énergie. Il en va de même pour le cholestérol. Il a aussi une grande utilité. Comme pour tout dans l'alimentation, c'est l'excès qui est catastrophique. Il est généralement admis qu'une quantité de 10 à 15 g de beurre par jour est la bonne, soit en gros en moyenne 100 g par semaine. Pour la crème, et toujours en gros et en moyenne, l'équivalence est de 250 g par semaine, qui bien évidemment ne s'additionne pas au beurre, mais le remplace. En conclusion, inutile de vous lancer dans des calculs d'apothicaire, c'est très simple. Vous devez cuisiner à l'huile, huile d'olive, d'arachide, de colza. Réservez le beurre pour les tartines du matin, éventuellement les pâtisseries, et la crème pour une sauce et un dessert de temps en temps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel César, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Pierre Laouchévitz, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Passez une agréable soirée et que Dieu garde la Martinique.